Cela fait quelques jours que l'idée d'une participation de la Corée du Nord aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, Corée du Sud, se fait insistante. Donald Trump et sa fille, Ivanka, sont actifs dans ce dossier. La Corée du Nord se rapproche des JO d'hiver à Pyeongchang, 9 au 25 février 2018. Dans ce jeu, les États-Unis, directement menacés par Kim Jong-un et ses provocations d'attaques nucléaires, y trouvent leur compte. Le gouvernement sud-coréen de Moon souhaiterait même que les deux Corées défilent sous le même drapeau lors de la cérémonie d'ouverture, le 9 février prochain. La Corée du Nord, faible sur le plan sportif, n'a actuellement pas d'athlète qualifié pour les Jeux. Selon des médias japonais, le représentant nord-coréen du Comité international olympique, Chan Eun, doit se rendre en Suisse en cours de semaine pour discuter avec des représentants du CIO, et en particulier avec son président, Thomas Bach, de la participation de la Corée du Nord.